L'âne sentait bien d'où soufflait le vent et ce qui allait lui arriver. Il n'avait pas du tout envie de se faire transformer en salami. Alors un beau matin, il s'enfuit sans demander son reste. Il se mit sur le chemin de la ville de Brême où, pensait-il, il pourrait se faire musicien. Ce n'était pas tout près, mais il avait du courage. Il avait déjà fait un bon bout de chemin lorsqu'il entendit aboyer sur le bord de la route. C'était un vieux chien tout pelé, la langue pendante, qui avait l'air misérable et complètement épuisé. « En voilà un qui est bien mal en point !» se dit l'âne. « Eh bien, que t'arrive-t-il, Médor ?